C'est un système de père aidant et de mentorat entre les étudiants et les élèves de lycée et de collège pour promouvoir encore une fois la sensibilisation à la citoyenneté par les jeunes pour les jeunes. Je m'appelle Amina Malki, j'ai 21 ans, je suis originaire du nord de la France et je suis actuellement étudiante en affaires publiques. J'ai eu la chance de travailler sur le groupe Action Citoyenne dans le cadre de la délégation jeunesse des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On a réussi à formuler 5 recommandations. La première recommandation, c'est d'instaurer dans les collèges une après-midi par mois durant laquelle les collégiens vont pouvoir aller rencontrer des élus locaux et des acteurs, des associations locales pour voir concrètement qu'est-ce que l'engagement citoyen sur le terrain. La deuxième recommandation, c'est de mettre en place un parcours citoyen pour les collégiens et les lycéens durant lequel ils vont pouvoir avoir une initiation à notre système institutionnel, démocratique, tout l'écosystème en fait citoyen. La troisième recommandation, c'est un système de père aidant et de mentorat entre les étudiants et les élèves de lycée et de collège pour promouvoir encore une fois la sensibilisation à la citoyenneté par les jeunes pour les jeunes. Et les deux dernières recommandations qui se font dans le monde de l'entreprise, la première idée ce serait de mettre en place des congés payés pour la citoyenneté, pour aller faire une action citoyenne dans le cadre de l'entreprise. Et pareil pour la dernière recommandation, mettre en place des semaines citoyennes avec des moments de sensibilisation, notamment dans la politique RSE des entreprises.